D'un système plus écologique que la ramasse de déchets verts pour valoriser les déchets du jardin. C'était prévu, on a saisi l'occasion de l'offre de la métropole pour nous équiper. Comme on a un petit jardin, on essaie de faire un peu de légumes, des choses comme ça, donc ça va nous permettre d'avoir du terreau et puis participer un petit peu à la réduction des déchets. Avoir une démarche écologique et puis arrêter de jeter tout simplement et avoir une utilité avec les déchets. Biodéchets, c'est considéré maintenant comme une ressource, qui est un retour à la terre, un retour au sol de nos biodéchets. C'est vraiment un modèle d'économie circulaire en fait. C'est un tiers du volume de nos poubelles qui retourne à la terre et qui se transforme en compost. L'objectif, c'est un peu la politique de l'AMEL en fait pour les années à venir. Avant 2023, on aimerait mettre en place un dispositif pour que chaque habitant de la métropole puisse avoir accès à un composteur, qu'il soit collectif, donc de quartier, ou individuel à la maison pour valoriser les déchets in situ.